Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast littéraire. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous un roman qui m'a beaucoup touchée. C'est un gros coup de cœur. J'ai déjà envie de le relire. Et d'ailleurs, j'ai relu un peu le début ce matin. Et j'ai vraiment, vraiment envie de partager avec vous cette lecture qui, le titre est très simple, le titre c'est « Être ». Alors c'est le premier tome, il y en aura d'autres, et l'auteur est Camille Marcovecchio. Je vous avoue que dans mes souvenirs, je ne sais pas si j'ai lu un roman qui était aussi original et complet dans l'histoire, dans la plume, dans les thèmes. Parce que on peut passer du thriller à la romance dans ce roman. Et j'ai envie de partager parce que je voudrais semer un peu l'envie de découvrir, de vous faire découvrir ce roman. Vous le trouverez chez Books on Demand. Il est sorti en septembre 2022. C'est un livre très récent. Personnellement, je l'ai lu en numérique. C'est assez rare, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus pratique pour moi. Et la version imprimée fait 571 pages qu'on ne voit vraiment pas passer. Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas l'impression que ce soit quelque chose d'aussi volumineux. Même si j'ai plus l'habitude de lire en général des gros bouquins. J'étais... Dès que j'ai commencé... J'ai trouvé que la plume cachait une sensibilité parce que le ton est très variable. On peut passer de descriptions exceptionnellement belles, poétiques, et puis arriver à des scènes qui sont cruelles. Et le roman m'a accroché vraiment à la première ligne. J'ai été complètement tellement intriguée que ça m'a fait oublier totalement le temps. C'est immersif, voilà, et addictif. Pourtant, bon, au départ, je vais l'avouer, ce roman m'a attirée par sa couverture. La couverture est très sobre. Je la trouve finalement... Je sais pas, c'est mystérieux. C'est vrai que cette sobriété n'en est pas vraiment une quand on regarde bien la couverture. Et du coup, elle m'a donné envie de lire la quatrième de couverture. Et en lisant le résumé de l'éditeur, c'est vrai que j'avais déjà besoin de découvrir ce que cachait le titre, de toute façon. Parce que « être », bon, il peut être utilisé comme verbe, évidemment, mais aussi comme substantif. Et dans ce cas-là, il est très employé dans la philosophie. C'est un terme qui peut désigner, suivant le contexte, ce qui est, la réalité, l'existence... Une personne dans sa sensibilité intime, et c'est un simple mot de quatre lettres, mais qui a déjà aussi un peu comme... On peut dire que c'est très sobre, comme la couverture, mais il y a une signification très profonde. Et tout ça a réussi... à me faire poser la question qu'est-ce que j'allais trouver en ouvrant ce livre. C'est vrai que souvent,
quelque chose m'interpelle et je me laisse embarquer. Ça m'est arrivé d'être déçue, mais là vraiment pas du tout. Je crois que c'était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. On est en septembre 2021 au Guatemala. Méa, prends ça. C'est une jeune femme et ses parents, des sacs à dos, des bidons d'essence, un 4x4, dans la forêt tropicale. Ils s'enlisent dans la boue, ils sont poursuivis, la maison explose, forcément avec les bidons d'essence. Ça illumine le ciel dans une sorte de teinte orange dans le crépuscule. Bon, je me demandais ce qui se passait. Leurs poursuivants sont armés. Ils n'hésitent pas à faire feu, donc ils tirent dans la nuit. Et puis, tout à coup, j'ai réalisé que il y avait un narrateur et que ce narrateur discret observe ce massacre, observe ce qui se passe, enfin, je sais pas trop. Et après des heures de fuite, cette famille à bout de force, bon, le père vole une voiture et démarre vraiment sans attendre. On les retrouve le 2 octobre. Et ils sont quelque part en Floride, donc ils ont fait beaucoup, beaucoup de routes. Dans une voiture, on n'a pas. Enfin, du Guatemala à la Floride, c'est quand même pas la porte à côté. Et la radio est allumée, et c'est vrai que c'est terrible, parce qu'on parle de tempête, de marée noire, d'actualité, hein. L'actualité, souvent, ces derniers temps, on a beaucoup entendu ce qui est appelé catastrophe climatique. Alors bon, il coupe la radio parce que c'est les mauvaises nouvelles, c'est en plus, c'est vrai qu'on nous annonce ce genre de choses avec un ton monotone, comme si ça n'avait aucune importance. Et c'est assez rare au milieu de trouver des actualités réjouissantes. Et du coup, ça paraît vraiment fade à côté. Donc, ils éteignent la radio. Ils sont déjà confinés dans une voiture, sous une pluie incessante. Alors les actualités déprimantes, je crois qu'ils en ont pas besoin. Méa a toujours les, enfin, elle a les cheveux longs et ils sont toujours recouverts de la boue de la fuite du Guatemala. Avec ces longues heures de route, la tension monte entre les parents et il est temps de faire une pause. Et très étonnant parce que malgré la distance parcourue, eh bien, moi, lectrice, découvre que pour cette famille, le camouflage fait partie de ce que j'appelle des règles imposées. Je me demande les raisons de tout ça parce que l'ambiance, elle est angoissante et dans ma lecture, je ressentais tout ça. Il y a une plume tellement fluide, tellement fabuleuse, tellement. C'est une histoire. C'est quelqu'un qui raconte son vécu pratiquement. C'est vraiment, on le vit, on le vit. Et au milieu de ces angoisses et de cette tension, il y a des anecdotes qui cassent l'anxiété et l'humour est bienvenu. Alors, je vais donner un exemple. Apparemment, Méa a pour habitude de se faire enfermer dans les toilettes publiques et leur situation, elle semble vraiment catastrophique, mais ils arrivent à en rire et la question, elle est légitime. Des raisons de tout ça, de se cacher. Et puis,
On ressent aussi, à travers toutes ces anecdotes, on ressent aussi des liens entre les protagonistes, entre ces trois personnes. C'est une famille soudée et visiblement, je crois, parce que leur vie en dépend. Et pourtant, Méa ressent celui que j'ai décrit tout à l'heure comme un observateur. Enfin, je ne sais pas comment le nommer, un observateur. Moi, je ne sais pas du tout qui il est, ce qu'il veut, mais en tout cas, Méa, elle est angoissée quand ses pensées vont vers lui parce qu'elle l'a aperçu, sans vraiment savoir ce qu'elle a aperçu d'ailleurs. Parce que Méa, étant donné ce que semble être le cours de sa vie, elle n'a qu'un ami, c'est son sac de survie. C'est le sac dans lequel elle a les affaires qui prennent à chaque fois qu'ils partent. Et c'est avec lui qu'elle voit sa nouvelle maison au bout d'une route boueuse, encore de la boue et encore de la boue. Et puis la maison, c'est pas non plus le rêve. Hein. Il y a l'état qui nécessite un bon nettoyage et quelques semaines de bricolage, voire de travaux. Et là, tout se met en place parce que dans cette famille, chacun a sa fonction pour rendre le lieu, le nouveau lieu, un petit peu plus personnel, confortable, faire une sorte de chez-soi. Et c'est pareil, dans l'écriture, c'est tellement immersif que par rapport à ce qu'on vient de vivre avec cette fuite, de les voir arriver, voilà, et d'installer leur vie, c'est un sentiment que j'avoue avoir du mal à décrire. Mais en tout cas, tous ces personnages sont vraiment très... Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de... On n'arrive pas à... J'arrivais pas à percer quoi que ce soit. C'est vraiment évolué dans la brume. Enfin là, c'est dans la boue, en l'occurrence. Mais le narrateur, qui est donc cet observateur, prend la plume par intermittence. Donc lui, à la première personne, raconte ce qu'il fait, ce qu'il voit, mais lui aussi se cache. Et il a suivi cette famille jusqu'en Floride. Il prend une chambre dans un motel. Donc il sait où Méa est installée et il me semblait à ce moment que c'est elle qu'il poursuit. Pas forcément la famille, mais particulièrement Méa, cette jeune personne. Méa, alors, on se dit aussi, mais quelle est sa vie, quand même, c'est... Bon, bah, elle fait le tour de la maison, elle trouve des livres, et la lecture bah, lui permet de s'évader. Le temps qu'elle prend... Parce qu'elle n'a ni téléphone portable, ni télévision, ni ordinateur. Donc, quoi de mieux qu'un livre, hein ? C'est vrai que c'est aussi une façon de voyager, de lire. J'ai aussi découvert que Méa, j'avais pris pour une enfant au début de cette aventure, n'en est plus vraiment une. Et j'ai ressenti que dans cette survie, eh bien elle vit dans des cauchemars, des insomnies et aussi des cris de panique, mais elle veut inquiéter personne et elle garde ça pour elle. Elle n'a pas forcément une vie très enviable, à mon sens. Et puis, elle est très secrète, elle aussi. Et elle-même ne semble même pas savoir pourquoi elle vit comme ça.
elle fait ce qu'on lui dit. C'est aussi très surprenant, mais si, enfin, si, elle vit parce que apparemment elle évite d'être tuée, mais la raison est très floue et quand elle pose des questions à ses parents, on lui a raconté une histoire de succession, enfin, mais avec l'âge et elle lit, elle soupçonne quand même un mensonge là-dessous et elle sait que justement qu'elle ne sait pas grand-chose et les parents eux-mêmes ont l'air de suivre une sorte de protocole qui a déjà été établi, même eux ne sont pas forcément maître de leur destinée, c'est vraiment quelque chose qui accentue le suspense. Il y a un espèce de côté thriller aussi dans le fait d'être poursuivi comme ça. Malgré tout, on les devine, d'autres personnages sans les rencontrer, on les devine. Comme ça, entre les lignes. Et les réponses de Méa, enfin, qu'elle attend en tout cas, les réponses promises, ben, on se met à table et voilà, on les oublie. Parce que dans ces moments-là, il y a la légèreté de tout ce qu'ils ont comme anecdote amusante, parce qu'elle se tâche toujours avec de la confiture. Et ça fait. Ça donne une ambiance, une autre ambiance aussi à la lecture avec, oui, il y a des hauts, il y a des bas et on suit cette famille. Et je suis lectrice, curieuse et je me disais que peut-être j'apprendrais des tas de choses sur Méa et sur sa famille dans ces anecdotes, dans ces moments où on a le sentiment qu'il se relâche. Parce que Méa, pour moi, elle est quand même en prison et c'est vrai que on se demande pourquoi, parce que vous, enfin, je sais pas, je me pose la question, comment feriez-vous pour survivre comme ça dans cette incertitude, dans le danger aussi, parce qu'il a l'air d'être bien présent, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a la fuite. Dans la quatrième de couverture, il y avait une petite phrase, Nous sommes leur seul espoir. Je l'ai revue quand j'ai relu ce matin. C'est vrai que j'avais oublié cet extrait du résumé. Mais la lecture m'a vraiment bouleversée. Je suis passée par, je crois, par tous les sentiments. Parce que j'ai peur pour eux. Je doutais, enfin j'ai douté pour eux. J'ai ressenti l'angoisse de Méa. J'ai eu beaucoup d'admiration aussi pour cette jeune femme. Énormément de colère sur ce qui lui arrivait. Sur la première page, quand j'ai commencé à lire, il y a marqué roman de science-fiction. Mais dans le roman, c'est affolant de réalisme, on y est quoi, c'est déstabilisant finalement cette plume parce que par exemple de la psychologie des personnages jusqu'à l'analyse de la société, ben moi j'ai regardé Méa évoluer en découvrant qu'en fait elle aussi elle apprenait sur elle-même. Et je la trouvais attachante, elle est aimante, elle est sensible, elle est dotée d'une empathie incroyable. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en danger? C'est vraiment la question qu'on se pose. Parce que, enfin, pour moi, à ce moment-là, tout reste très. Tout est question. Dans les infos, bon ben, c'est vrai que nous entendons tous hein, aujourd'hui que l'homme risque
de disparaître, hein, parce que bah, c'est vrai que la Terre peut vivre sans nous. Après, l'inverse, c'est quand même, à mon avis, douteux. Mais je sais pas vous, mais on peut se demander les raisons de notre immobilisme par rapport à ça. Je sais pas, moi j'ai remarqué aussi que les intérêts des uns font le malheur des autres et que bon bah il y a plus une question de pouvoir que je sais pas vraiment si nous sommes humains, nous humains, malgré tout ce qui est exprimé dans les informations là et qui ressort dans ce livre, l'humain est un animal en perpétuelle contradiction. Il se croit aussi indestructible et puis reste persuadé que sa science va venir à bout de toutes ses difficultés. Et pour moi, c'est paradoxal. Et dans ma lecture, c'est ce que j'ai vécu par rapport à ce qui entoure Méa au fur et à mesure où j'avance dans l'histoire, au fur et à mesure où. Je ne vais pas dire que j'ai découvert énormément de choses. C'est doucement distillé, c'est au goutte à goutte. Mais j'ai vécu une course-poursuite ahurissante et infernale. Là, c'est vraiment. L'écriture prend tout le rythme. Et c'est comme si vous y étiez. Il n'y a pas besoin d'une imagination très fertile, c'est tellement bien écrit que vous y êtes. Il y a des retournements de situation qui sont vraiment. Ça vient pas de là où on l'attend, hein, ça c'est clair. Il y a énormément d'action, du suspense, et il y a de l'amour aussi, il y a beaucoup d'amour. Mais pour moi, il y a aussi incompréhension. C'est un paradoxe. Bon, c'est souvent le cas. Quand vous voyez tome 1, bon, dernièrement, j'ai lu un roman qui avait une fin vraiment. J'ai dit non, bah, ça se fait pas, quoi. Là, non, on a vraiment un final, une chute, et d'ailleurs, une chute digne, mais vraiment digne de ce nom. Et la dernière ligne m'a laissé un peu stupide dans mon fauteuil de lecture. J'avoue que j'ai hâte de lire la suite, par curiosité bien sûr, mais surtout parce que c'est vrai que c'est addictif et cette aventure n'a certainement pas fini de me faire sortir de toutes mes croyances, et en tout cas de torturer un petit peu mes neurones, ce qui fait du bien, hein. C'est toujours très intéressant de réfléchir aux choses. C'est vrai que on avance vers un dénouement et il y a vraiment un retournement de situation sur la fin qui fait que on se dit mais en fait qui est vraiment honnête, qu'est-ce qu'ils font, puis d'abord qui c'est ces gens? Ce qui me fait dire aujourd'hui que ce roman est vraiment incontournable et que on n'en sort pas indemne. Mais qu'en tout cas, c'est plus que. Je crois que c'est vraiment un cadeau de fin d'année. Voilà, pour moi. Je vais pas en dire trop. C'est vraiment, effectivement, un cadeau de fin d'année parce que c'est quelque chose qui m'a marqué et que je suis pas prête d'oublier. Tant être m'a bouleversée.
Et je vais vous lire le texte de présentation de l'auteur, parce que ce texte reflète merveilleusement ce que j'ai ressenti, une ambiance qui est vraiment unique. Donc je cite Camille Marcovecchio. Ce premier tome, en deux sections, fait partie d'une trilogie qui s'intitule « Être ». C'est un début d'une longue histoire qui me bouleverse et qui, je souhaite, vous émouvra. Il ne faut pas être sensible, ne pas avoir peur de se confronter à la réalité de notre société, ne pas s'attacher, et vous le comprendrez très tôt. Mon aspiration était avant tout de faire passer une atmosphère, une ambiance unique à être, et j'espère lui avoir donné cette signature du ressenti. Eh bien, si l'auteur m'écoute, elle a très bien réalisé cet exercice parce que oui, l'atmosphère est passée, oui, l'ambiance est unique et y a vraiment énormément de ressentis et je crois beaucoup à en dire, beaucoup à apprendre. J'aimerais aussi beaucoup en parler avec l'auteur. Je pense que ce serait un échange. Il est très possible que nous ayons une sensibilité peut-être commune sur certains sujets. Et ce serait vraiment très sympa si elle en a envie qu'on fasse une émission ensemble. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler très longtemps. C'est vraiment voilà, je suis vraiment très marquée, mais pour vous laisser le plaisir de cette lecture unique, eh bien je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouverai mais probablement pas avant l'année prochaine pour 2023. Donc passez de bonnes fêtes et puis à très bientôt.